De routine, je dicte mon expertise d'une voix retenue et monocorde, entrecoupée des silences qu'imposent les différentes phases de mon inspection. Le crâne osseux est ouvert à la scie électrique, suivant un plan horizontal, mettant à découvert l'encéphale. Les poumons et le cœur sont extraits de la cavité thoracique. Ayant procédé à une ouverture du cœur, nous constatons qu'un... Chaque pièce anatomique intéressante a été photographiée et pesée. Discussion. Nous avons à considérer le corps d'une femme. Si nous pouvions exprimer une opinion personnelle, nous affirmerions qu'il s'agit d'un... Le compte-rendu d'autopsie a été établi en deux exemplaires, adressé au greffe du tribunal de... Pour être soumis, conformément à sa demande, au substitut du procureur de la République. On signe. Lors, tu jugeras que cette doctrine est du nombre de celles qui ne peuvent être enseignées que de vive voix, et qu'un discours par écrit en cette matière serait autant et plus inutile et embarrassant que celui qu'on emploierait à la description de toutes les parties d'une horloge, dont toutefois l'explication est si facile, quand elle est faite bouche à bouche, et qu'apparemment un tel discours ne pourrait produire d'autre effet qu'un infaillible dégoût en l'esprit de plusieurs, leur faisant concevoir mille difficultés où il n'y en a point du tout.